voyez, ça fait vraiment pas de cadeau en classement. Hein. Vous allez vous retrouver au fur et à mesure avec des decks de plus en plus de joueurs confirmés et de joueurs pro. Ou alors experts. Et donc, si vous faites n'importe quoi de vos ressources, c'est un peu ce qu'il faut retenir de ce que je suis en train de faire, de l'expérience que je suis en train de faire avec vous. Avec un deck débutant, vous pouvez pas vous permettre de commencer à mettre dans des jolis fonds de cartes, dans des petites figurines sur le côté et tout le reste. Ça, vous le ferez plus tard quand vous serez sûr de vous et que vous aurez déjà une belle collection de cartes pour dire de vous défendre. Là, pour l'instant, dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est pour être compétitif, automatiquement, il va falloir... Je vais pas la jouer tout de suite. Je vais attendre un peu. Parce qu'elle va pas évoluer, donc ça sert à rien. Par contre, on va mettre du défensif. Ok. Ça lui fait 2 mana. Sur un malentendu. Non. Vous pouvez tenter. Hein. Bon là j'ai 5, je peux poser mes 2 cartes. Oh je l'aime pas celle-là. J'espère que j'aurai 6ème mana. Ça me sortira un peu de la mouise. Un choix à faire. Merci. J'ai mon 6ème mana donc automatiquement c'est plutôt bien. Je sais pas comment il va retourner la situation mais il va le faire. Ah oui, d'accord. Bon ça y est, c'est parti. Il a un anneau. Donc encore de la mana. Voilà, c'est ça. Encore de la mana. Parce que le lano est utilisé pour démarrer les decks verts rampe. Bien souvent. Ramper, ça veut dire aller chercher un maximum de mana, de terrain de mana. Ou de capacité de mana du moins. Parce que c'est pas des terrains, là c'est des créatures qui peuvent faire de la mana. Là il en a déjà 2. Il a la dryade. Non, la Cataride. Et il a son elfe la noire, donc ça laisse entendre que... Et vous voyez comme il a monté, il est parti chercher son ultimatum. Ah d'accord, c'est à moi de lui donner en plus la carte qu'il faudra. Le prontodonte, s'il le met... Ouais, bah, de toute façon, il va le mettre quand même. Ok, bon, bah, c'est foutu. Vous voyez comment on peut... C'est comment elle s'appelle, elle? Niva? Niza. Oh, bah, Niza, ça va devenir un cauchemar.
Donc il perd une capacité de mana. Ah, il est en train de me montrer son golos. Ça va devenir difficile. Mais on n'a pas le choix. Il me faudrait une carte claire assez rapidement. Bon, il a gagné. Il va tout envoyer. Il va tout envoyer. Non, il en envoie que deux. Ah mais c'est suffisant, de toute façon il passe à 18 donc Ah il remonte tout en plus. Bénédiction selon Gaïa, ça va faire que son cimetière va se retrouver dans son... Ah il est parti rechercher une carte. Ok, bon on est mort hein. Vous voyez il y a vraiment une disparité des decks en classement qui fait que je suis obligé de laisser passer, hein, ça sert à rien. Voilà. Et on est mort à la prochaine étape. On va tenter le tout pour le tout, mais on n'y croit pas. Enfin, du moins, on n'y croit plus. Les decks sont vraiment pas équilibrés. Enfin, pas équilibrés, je veux dire, automatiquement, à ce niveau-là, on tombe contre tout le monde, quoi. Ah j'aurais joué l'ange sur Nissa, je l'avais. Il envoie tout, il a gagné. J'ai très mal joué, hein, mais de toute façon, là, contre ce deck-là, on pouvait que mal jouer.
Ouais, puis ça va être ça tout le temps, quoi. Allez, on a perdu. Là, il nous envoie son breton et breton et son. Je me demande pourquoi il nous demande de choisir une carte s'il lui donne les deux autres, en fait. Ça sert à rien, quoi. Est-ce qu'il est joueur? S'il est joueur, il va pas attaquer, il va se mettre qu'en défense pour voir s'il tient. S'il l'est pas, automatiquement il va attaquer avec tout. De toute façon, j'ai plus de défense, hein, donc il met 22 points comme pour rire. Son Bronton, déjà, il m'en met 18. Il lui reste plus que 4 points. Bah ouais, Breton plus Dragon, c'est bon, c'est parti. Et il est taquin quand même. Hein. Il a pas apprécié. Hein. Eh, mine de rien, je veux rien dire. Hein. C'est vrai que je perds, mais admettez quand même, vous avez vu le nombre de rounds qu'on a passé. Vous avez vu le nombre de rounds qu'on a passé à lui résister, quoi. Parce que là, on fait que de la résistance. Hein. On sait très bien qu'on n'est pas à la hauteur. Ah non, tu me fais pas ça maintenant. Oh! Il m'a jamais. Qu'est-ce que c'est que ça? Le serveur fait de la résistance? Ah non, c'est bon, il l'a pris en compte. Bon, bah écoutez, on y retourne. Hein. Il y a deux musiques. Ah, je crois que ça y est, le jeu il a bugué là. Ah non, c'est bon, ça reprend. Bon, là on commence à tomber sur des decks plus élaborés que le nôtre. Hein. Donc ça va pas être le même la même musique. On va moins chanter là. Joue en vert pour l'instant. Vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Du moins, je savais ce que je faisais. Bon, pour l'instant, on le tient en respect. Même si c'est déséquilibré déjà. Arasta de la toile. Non, je vais laisser passer le point. Je laisse passer le point. Donc il pourra plus jamais jouer une Arasta tant qu'il n'a pas. Tant qu'il a pas libéré celle-là.
pour l'instant ça a l'air d'aller. Donc vous voyez, le chat, je l'utilise à la fois comme percuteur et comme défenseur. Ok, il peut encore monter. Là, il va commencer à avoir des complications à trouver des créatures assez fortes pour monter. À part Ulamog, tous ces trucs là quoi. Ok. Il va essayer d'intercepter mes volants. Pour un Klex, évidemment. Et Titania. Donc vous voyez, c'est encore un deck où, pour ceux qui ont du vert là, prenez des notes. Hein. Mais vous voyez, c'est encore un deck qui est déséquilibré par rapport à nous. On n'est pas de taille à affronter ces gros golems dès le début, quoi. Ouais, bah si tu veux. Pour l'instant, on passe pas. On va se faire une ligne de défense. Aïe. Ouais, là, ça passera pas là. En plus, je joue pas le tour d'après puisqu'il m'a immobilisé tous mes terrains grâce à son Vorinclex. 14, 10, ouais, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse que face à des decks pareils?
Là, il nous faudrait une gardienne des âmes quand même. Parce qu'il pose beaucoup trop. Ouais, pff, laisse tomber. Il me faut la gardienne des âmes. Si je l'ai pas, c'est pas la peine. 34 avec son 20 avec... Ouais, non, ça passera pas. On passera pas. On est mort. On est cuit. Si tour de prochain, j'ai pas la gardienne des âmes, ça sert à rien. ...54, je suis obligé de sacrifier. Et j'ai pas mon chat. Punaise. Ah, il attaque pas? Il va attaquer avec tout. Non, même pas. Alors, il a combien en truc? Il peut m'intercepter une 7 et là il peut pas intercepter, là il peut pas intercepter, il peut rien intercepter en volant. Ah si! Il met du 10, je peux rien faire. Va falloir que je monte mes volants. Ah, le problème c'est que j'ai pas de d'anti-scalaire là. Il me faut un anti-scalaire, donnez-moi l'âme de la gardienne des âmes. Ouais, c'est mort. Là clairement c'est mort. Ouais, j'ai pas de bol aussi. Je l'ai l'anti-scalaire, il suffit de mettre la gardienne des âmes, je crée du jeton comme c'est pas possible. Il va pas me le donner quoi. Ou du moins il va attendre que je sois à 1 et là il va me la sortir. Je pourrais plus rien faire. C'est le début de la fin. Oh, maintenant il m'intercepte une 16.
je vais rien pouvoir faire. Si j'ai pas de gardienne des âmes, là, c'est même pas la peine, quoi. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse là, je suis débordé là. Et pourtant là lentille quoi, on a la gardienne des âmes. Pourquoi elle sort pas? C'est une 1-1 quoi. Quand je vous dis que le jeu est contre nous, les sorties sont pipées, mais alors quelque chose de bien quoi. Oh, ça me dégoûte. Ça serait déjà réglé avec la gardienne des âmes là. Bah ouais. Et lui, il a pas de timer quand il fait ça. Bah non, il n'y a pas de timer. Tout ça parce que j'ai pas la gardienne des âmes quoi. Ah enfin. Bande de tricheurs. Ah ouais, il paye, c'est normal, il paye. D'accord. Ah, je pouvais pas gagner. Bah évidemment c'est pas la gardienne des âmes quoi.
aller le titiller un peu. D'accord, il attaque avec tout le coup d'après. Voilà, il envoie tout l'escalaire. Ah, il envoie tout d'ailleurs. De toute façon, j'ai perdu. Ouais, bah déjà tu vas me laisser le temps de faire ce que je veux. Ça vaut le coup de payer, hein, je vous le dis. Il me manque une carte pour aller chercher ce que je veux, moi. Bon, puis je pense que je vais pas tarder à arrêter, ça sert à rien. C'était simplement pour vous montrer un peu pourquoi il faut faire attention à votre gestion de ressources. Et bradez pas vos ressources, que ce soit des gemmes ou que ce soit des... ou que ce soit des... Alors, gemme ou couronne d'or. Donc là, il va l'intercepter. Même pas.
Ok. Il a plus de bleu. Donc les contre-sorts, là, on va se marrer. Plus de contre-sorts. Ouais, bon, il a du de l'anti-bête. Fallait qu'il y en ait un deuxième. On se bat encore contre un deck à la con, hein, mais voilà, on le fait. On a pété un simic, enfin une base simic, Yorion en plus. Je lui ai pété deux Yorion. Alors là, j'y crois pas. Wouah! Avec un deck de débutant, quoi.